Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Green Hell. Alors pourquoi je suis sur le menu principal? Parce que j'ai juste une petite parenthèse à faire en ce début de vidéo avant de rentrer dans le vif du sujet. Il faut savoir les amis que je me suis fait un petit campement en off. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé hors vidéo. Donc dans le dernier épisode on s'était quitté, donc on avait trouvé une sorte de camp un petit peu où on va justement dans cet épisode pouvoir faire l'ayahuasca. Donc un nouveau ayahuasca pour retrouver la mémoire, je le rappelle. Donc ce qui s'est passé donc dans le dernier épisode, à la fin je vous avais dit que j'allais retourner à mon premier campement pour sauvegarder. Sauf que ce qui s'est passé malencontreusement, eh bien c'est que je suis mort, je me suis fait piquer par des serpents etc, j'avais plus rien, j'étais en train de vomir, j'ai perdu toute ma santé. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'avais rechargé du coup la dernière sauvegarde que j'ai faite et j'ai refait tout le trajet, tout sécurisé correctement. Et je me suis fait un petit campement justement près de cet endroit où on va faire l'ayahuasca. Donc comme ça vous le savez, je vais vous montrer ça tout de suite. On va démarrer la partie solo, je vais faire charger directement comme ça on sera sûr. Jour 19, on est parti. N'oubliez pas les amis de vous mettre dans le noir, de vous prendre à boire et à manger si vous le voulez. On est parti pour un petit peu plus d'une demi-heure je pense ensemble. Et merci à tous encore de suivre cette série. Et je pense qu'on se fera une armure aussi, une armure en feuilles comme vous me l'avez vraiment demandé et suggéré de le faire. Donc on le fera, c'est parti les amis. Et bien voilà, nous y sommes. Donc en fait les amis, juste très rapidement pour vous montrer, nous sommes en 43-26. Donc pour vous montrer sur la map, 43-26-26-43, voilà, on est juste ici, donc vraiment juste à côté de là où on doit aller. Et comme dit, moi je voulais retourner ici en off, mais bon entre temps j'étais mort, donc j'ai tout refait et je me suis donc fait un petit camp ici pour sauvegarder, donc avec une petite hutte, un petit feu, donc c'est plutôt pas mal. Du coup ça fait que les amis, dans le dernier épisode j'avais usé des antidouleurs, mais je les ai tous de nouveau. Voilà, j'ai de nouveau mes 3 antidouleurs puisque j'ai pas eu besoin de les utiliser. J'ai récupéré également les fleurs de Nymphéa, donc là où on va aller justement. Et donc bah, on va partir pour faire les amis l'ayahuasca directement. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Donc je suis très très bien, il est minuit 34. Donc ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit dodo. D'accord, on va faire un petit dodo pour qu'il fasse jour. Et on va se faire l'ayahuasca. Ça va être incroyable, j'ai hâte de voir. Parce que franchement c'est ce genre d'épisode qui est super intéressant. Je vais me réveiller maintenant. Le jour va se lever tranquillement hein. C'est ce genre de truc intéressant parce qu'on va pouvoir en apprendre un petit peu plus du coup hein. Alors là j'ai ma lame en obsidienne aussi hein. Voilà, lame d'obsidienne, donc ça c'est vraiment vraiment cool. Alors on va se rendre directement donc à notre lieu. À noter que je voulais dire un truc. Oui, donc les armures en feuilles, vous m'avez dit que c'est très important du coup pour être plus discret. Donc ça pour le coup je vais pas dire non finalement, donc on fera ça tout à l'heure. On fera ça tout à l'heure, d'abord on va voir ce qui va se passer en prenant de l'ayahuasca. Mais sur le chemin, faudrait qu'on prenne en même temps les... donc c'est pas les lianes, mais vous savez c'est les sur les gros arbres. Oh putain, évidemment ça commence très mal cet épisode. Oh là là là, là je suis pas assez attentif. Voilà, donc ça c'est typiquement ce qui m'est arrivé en off. Et du coup c'est comme ça que je suis mort, donc là voilà, je vais de nouveau mourir, donc ça fait extrêmement plaisir. Hein. Voilà. Bon écoutez les amis, je vous fais une coupure et on recommence comme si on n'avait rien vu parce que c'est pas possible. Hop hop, ah non c'est chiant. Ah c'est très très chiant. Voilà, comme si on n'avait rien vu, désolé les gars mais c'est extrêmement chiant dès le début, ça sert à rien. Franchement, là j'étais pas attentif du tout. Autant en profiter hein. Franchement on peut se permettre de faire des saves. De toute façon vous savez très bien, je suis mort plusieurs fois déjà. Donc ça sert à rien de vouloir faire genre RP ou quoi. On est très très bien de toute façon. Allez, donc on y retourne du coup. Ah oui, donc j'ai posé des noix de coco hein. Du coup comme il pleut, comme ça je peux boire tranquille. Voilà, bon je vais être un petit peu plus attentif. Bon après en même temps on voit pas grand chose. Oui du coup je disais, faut récupérer les grosses lianes qui sont sur les troncs là pour pouvoir faire l'ayahuasca. Et voilà, encore une fois j'ai très très hâte. Je vais récupérer les bâtons en même temps puisque il faudra qu'on se fasse un feu. Ah franchement j'ai tous les trucs en tête hein. Je me rappelle comment on fait de l'ayahuasca. Ça fait plaisir. Alors il est où le serpent? À tous les coups il va être au même endroit. Non, il est même pas au même endroit. Ah c'est très aléatoire. Et ça c'est super cool pour le coup. Ok, donc voilà, le grappin c'est là-haut. Faut monter, hop. En tout cas, et par contre ce qui est dommage, là pour le coup, un truc que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de cinématique. Voilà, ça je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de cinématique. Enfin, qu'il n'y ait pas une très grosse animation quoi. Du coup, de retour ici. Alors j'avais réorganisé mon inventaire, je pense que vous l'avez remarqué. Voilà, je l'ai plutôt bien organisé je trouve. Voilà, là j'ai vraiment fait de la place. Ce qui a fait que donc j'ai pu récupérer tout ce que je voulais. Notamment, regardez, du coup j'ai mon stock de pansements. Et là j'ai encore de la moulinera, donc c'est vraiment cool. Et là tout ce qu'il y avait ici j'ai pu récupérer. J'ai vraiment récupéré tout ce qui m'intéressait. Donc là il faut faire un petit feu en dessous, je le rappelle. Alors est-ce que... carnet, je me rappelle plus trop comment ça marche. Attendez, bah si c'est pas compliqué, il suffit de faire un feu. Petit feu, tu places en dessous. On va mettre les petits bâtons. Et j'ai pas de bâton, voilà.
ce que je me disais, il me manque des bâtons. Alors, voilà, moi je veux des bâtons, pas des longs bâtons. Je vais arrêter de parler comme ça les amis. Bon, n'hésitez pas à liker la vidéo encore une fois. Merci infiniment de suivre toujours autant la série. Franchement, vraiment, je vois qu'il y a une fidélisation de sur cette série. Donc ça fait très plaisir encore une fois. Voilà, il n'y a pas énormément de vues. Mais est-ce que très sincèrement, c'est quelque chose qui m'importe? Non, pas vraiment. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre fidélité. Voilà, il y en a qui me découvrent aussi grâce à cette série. Donc ça fait extrêmement plaisir. Mais voilà, je recherche pas le million de vues. Et sinon, j'aurais déjà arrêté cette série. Sauf que comme elle me plaît et qu'elle vous plaît, eh ben forcément, j'ai pas envie de l'arrêter maintenant. Voilà, normalement j'ai assez de bâtons, mais comme je peux encore en prendre, je vais en prendre. Ah oui, il y avait tout plein de bâtons ici en fait. Voilà, on va pas perdre plus de temps. Allez, on y va. Alors il pleut, ça c'est bonne nouvelle, comme ça mes bols ils vont pouvoir se remplir, je vais pouvoir remplir ma gourde. Oh qu'est-ce que c'est beau. En vrai ici, on est en zone safe c'est sûr. Genre là, il n'y a pas d'indigène qui peut monter, hein. Ça m'étonne rien. Allez. Encore un bâton. Voilà, donc là maintenant, faut qu'on l'allume. Attendez, je me rappelle plus. Non, qu'on soit bien d'accord, attendez. Alors j'ai plein de notes et tout, faudra qu'on lise. Hein. On lira ensemble, les amis. Mais d'abord, l'ayahuasca. Étape 1, allumer un feu. Étape 2, voilà, donc c'est les grandes lianes. Et ensuite, les feuilles et baies rouges du buisson. C'est bon, j'en ai. Là, voilà, c'est bon. On va pouvoir se le faire, les amis. Donc voilà, hop, j'espère que j'ai de la place. Évidemment, je n'ai pas de place. C'est embêtant. Alors, le tas de petites feuilles. Ah là là, faut que je fasse plus de place. Écoutez, je vais fabriquer des pansements en feuilles en attendant, d'accord? Comme ça, je vais essayer de les stacker, voilà. Fabriquer. Et le dernier, fabriquer. Comme ça, au moins, on fait déjà un peu de place. Enfin, on essaie de faire comme on peut. Qu'est-ce que je pourrais jeter, là? Il n'y a pas des trucs... Bon, les os. Déjection. Eh, c'est dégueulasse, c'est des crottes, ça dégage. Détruire. Jamais de la vie, je les mange. Les cendres, je vais jeter. Vous allez m'insulter, mais je m'en fous, je vais jeter. Le charbon, on va le mettre de côté, là. Ça, ce qui est rigolo, c'est bien fait, hein, c'est qu'il faut vraiment faire de la place. Les flèches, je peux pas les mettre autrement. Là, on a un peu plus de place. Pas encore trop ça. Est-ce que je peux prendre maintenant? Je peux, c'est bon, je suis trop un monstre. Je sais plus combien il en faut, s'il en faut juste une ou pas. Donc je vais en prendre plusieurs si c'est possible. Et je crois que c'est qu'une seule. Je vais en prendre deux. Peut-être un troisième tant qu'on y est. Où c'est qu'il y en a un troisième? Là, voilà. Ouais non mais deux ça suffit normalement. Donc ils sont où là? Ils sont où les coquins? Bah je les vois pas. Ah ils sont là, j'avais pas vu. Très bien, ok. Bon les amis, je vous retrouve après avoir fait une coupure. Il s'est passé énormément de choses. Donc j'ai récupéré, qu'on soit bien d'accord, donc les Banisteritopsis là, comment ça s'appelle. J'ai récupéré également de la psychotria juste ici, voilà. Donc on va pouvoir enfin les amis, pouvoir faire notre ayahuasca. Ça fait je ne sais pas combien de fois que je réessaye, sauf que je meurs, voilà. Je ne fais que de mourir les amis, c'est incroyable. Je vais vous mettre un petit extrait maintenant. Ah! Voilà, c'est incroyable, c'est un extrait parmi tant d'autres. Du coup, voilà, je suis mort. À chaque fois, il me manquait donc soit les fleurs, etc. Enfin bref, c'était pénible. Mais ça y est, cette fois-ci, on est bon. Et d'ailleurs, je suis en très très bonne santé. Du coup, ce que je vais faire directement, c'est que je vais sauvegarder. Hop, je sauvegarde et on est parti. On va escalader et cette fois-ci, ce sera enfin l'heure de vérité. On va allumer le feu, on va faire notre petite tambouille, hein, comme on dit. Et on va se droguer pour voir... La drogue, c'est très mal, les enfants, d'ailleurs, n'oubliez pas. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est complètement fou. Il veut y aller avant moi ou quoi? Tu veux qu'on fasse la course? Donc on va voir. On va replonger dans des hallucinations incroyables. Ça va être des hallucinations collectives, les amis. Hein. Ah oui, très clairement, j'ai super hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce que Mia me ment? Est-ce que... Je ne sais pas. Bon, allez, on y va, les amis. Je vais me taire. Enfin, attendez, on n'y est pas encore. Hein. J'ai encore le temps de parler. On y est. C'est incroyable. Alors attends, qu'est-ce qu'il me dit ma montre? Ah oui, il veut de la viande. Je vais t'en donner de la viande, mais d'abord, je vais te donner de la drogue. Alors, bonjour, le feu du coup. Le feu. Alors il va casser le truc, hein. Faut savoir, voilà, 1%, je vais déjà le jeter parce que je sais qu'il va casser. Hein. C'est pas la première fois que j'essaye, les amis. Hein. Je vous l'ai déjà dit, je suis mort plusieurs fois, donc c'est pas la première tentative. Donc ça sert à rien de se faire des surprises. Hop, tac, utiliser. Là. Feuille séchée, bim, c'est parti. Allez, tu vas y arriver, mon pote. Parfait. On allume, on met tout, on insère, et c'est parti!
J'ai peur. Toujours le petit enfant du coup qu'on doit suivre. Le passage a été ouvert, du coup je rappelle qu'il y avait un rocher ici. Wow. Oh ouais, vive la drogue. Oh là 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 là, j'adore toujours autant. Hein. Qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui, les amis? Wow! Oh, attendez. Ouais, c'est bien ce que je disais. What? What? On se dirait dans The Forest! Is this my office? L'hosta, également connue sous le nom de Funkia, est une plante herbacée ayant des feuilles vertes. Ok, on s'en fout, c'est tous ces travaux en fait. Hein. Donc là, on est dans notre bureau. Je rappelle qu'on fait des travaux, du coup, c'est pour ça qu'on est dans la jungle. Sur le chaman peut également induire un état de transe chez les participants au rituel, ce qui lui permet. Ouais, oh, des histoires d'esprit et tout. Donc, ouais, c'est nos travaux du coup sur les tribus et sur les plantes vertes, etc. Les rites religieux et cérémonies de la tribu Yabawaka ne se déroulent jamais sans le breuvage hallucinogène appelé Yawaska, c'est-à-dire liane des âmes en Quechua. Ouais, donc c'est ce qu'on a consommé du coup, hein. D'accord. Alors je vous invite à mettre pause, les amis, si vous voulez lire. Oh. Pour le chapitre sur la médecine naturelle. Champignons trouvés A. Dans les grottes de la jungle, on peut trouver. Il manque des passages, hein, ça a été... Ah oui, du coup, ça a été barré. Ouais. Ce champignon utilisé par les Indiens dans leur rituel peut être trouvé dans les galeries sombres de grottes. Il possède les propriétés suivantes. Une espèce de champignon peu étudiée, elle aime l'environnement frais et sombre des grottes, ne pousse qu'en Amazonie. Ses effets. Devrais-je vraiment parler de ça? Distribution, caractéristiques, consommation pour les Indiens. En parler plus à Mia. La flore trouvée dans les grottes varie selon son accès à la lumière. La plupart des espèces se trouvent près de fissures et crevasses, laissant passer des rayons de soleil. Un peu plus loin dans les grottes, la lumière se disperse, mais les fougères et les mousses sont encore capables de l'utiliser. Et dans les coins les plus sombres et les plus profonds, seuls les champignons et les bactéries parviennent à vivre. Ils se nourrissent de matières organiques, telles que fessées de chauves-souris, insectes, morts et restes de plantes. Et cette introduction, une espèce totalement nouvelle, a-t-elle un nom? Affaire, recherche, comparaison. Donc là, globalement, on a découvert des nouvelles espèces de flore, quoi. C'est fou. Je pense qu'il faut aller là. C'est fou, hein. C'est énorme. J'adore l'ayahuasca. The book was quite good, but people aren't interested in lost tribes, deforestation, or global warming. We don't think about such things until it's too late. C'est clair, c'est clair. Demande de paiement. Suite à l'échec du paiement dû dans le cadre du prêt que vous avez souscrit, le montant... Ah oui. Si le montant total, hein, les intérêts sont impliqués. Voilà, je crois qu'on est dans... Je crois que dans la vie réelle, on est dans la merde. Hein. They only care about themselves until tragedy strikes. People just don't care. Attendez. It wasn't any different this time. No one took an interest in them. Unless there was some money. Oh les gars!
Franchement, ce qu'elle dit, Mia, là, dans nos voix, là, enfin, dans notre tête, c'est vraiment super intéressant. Hein. Franchement, on va en prendre de la graine aujourd'hui, quoi. Cher docteur Higgins, ma précédente lettre n'ayant pas reçu de réponse de votre part, je me permets de vous écrire à nouveau. Comme je vous l'ai déjà dit, Homolucorp s'intéresse à plusieurs hypothèses mentionnées dans votre livre. En l'occurrence, votre suggestion que les Indiens aient accès à des substances médicinales à l'efficacité exceptionnelle. Malheureusement, vous ne partagez aucun détail à ce sujet. Homolucorp est prêt à investir une somme très importante dans l'étude de ces substances. Oh putain, c'est pour ça qu'on est là. Je comprends que votre hésitation à l'idée de cette collaboration, mais pensez au nombre de gens que votre découverte pourrait aider. Avec votre aide, nous pourrions sauver des patients qui n'ont actuellement aucune chance de survivre. Vous êtes vous-même dans une situation délicate, mieux que personne. Vous devriez comprendre l'intérêt d'au moins essayer de trouver de nouvelles solutions. Nous pouvons nous aider mutuellement et sauver de nombreuses vies. Ah bah oui. Sauver notre population aux dépens des populations des autres, hein, bien sûr. Voilà. Alors, voyage au centre de la jungle. Donc ça, c'est notre livre, hein, je crois, hein, si j'ai bien compris. Le docteur Jake Higgins. Oui, on s'appelle Jake, c'est notre livre, ça, du coup. Entraîne ses lecteurs dans un fascinant périple au cœur des forêts tropicales, machin. Découvrez d'incroyables cultures indigènes, une leçon de survie. Qui sait jusqu'où ce voyage emmènera. Putain, c'est... Les gars, c'est super intéressant. Hein. On en parlera après. Hein. J'ai lu votre livre et je suis mortifié de dire qu'il n'est digne d'aucun scientifique qui se respecte. Il reste peu de communautés de par le monde qui se développent loin des soi-disant bénéfices de la technologie et qui continuent de vivre en harmonie avec la nature en suivant leurs traditions ancestrales. Ils ont tous les droits du monde de continuer de suivre leur propre voie. Voilà, là je suis complètement d'accord. À cause de vous, les Yabawaka ont perdu cette opportunité. Ils vont maintenant être la cible de scientifiques, journalistes et entreprises cherchant un gain financier. La cible, hein, pardon. Leur culture va être contaminée, etc., etc. Et voilà quoi. Oh là là, loin de vous offrir mon respect. Donc là, en fait, je pense que c'est une lettre qu'on a reçue, un peu de menace. Voilà, c'est répugnant et vous devriez avoir honte de ce que vous avez fait à ces gens. Donc voilà. Donc vous l'aurez compris, en fait, nous on est là à la base pour des recherches, du coup pour... parce que les tribus qui sont là, qui vivent de eux-mêmes, ils auraient, du coup, vous voyez, des plantes incroyables qui pourraient servir à notre civilisation, à nous, tu vois, genre aux États-Unis, en France, enfin dans tous les pays, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça qu'on est là, pour un peu voir ce qu'ils font et récupérer leurs trucs, tu vois. Et c'est pas bien. Enfin, faut coopérer, mais là, du coup, c'est pas bien parce qu'on est en train de les mettre dans la merde... juste pour nous, quoi, tu vois. Oh là, c'est impressionnant. J'adore. L'histoire est incroyable. Je vais fermer ma bouche, hein, excusez-moi. Je vous laisse apprécier. You think I'm selfish just like everyone else, don't you? Maybe you're right. Maybe I should have just given up. What happened? Why are you here? Mia. I know what drove us. But it doesn't justify anything. If not for me, you wouldn't have to go back to the jungle. Oh. Patient Mia, donc notre femme. Tumeur maligne dans le poumon gauche, modification métastique dans le poumon droit. Ok. Maladie, complication. Scanner du thorax montre une infiltration tumorale. Alors, injection ou infusion d'un agent anticancérigène dans le cadre d'une... Oh là là. Traitement palliatif supplémentaire recommandé. Mais alors ça, du coup... Oh putain, Mia, en fait, elle est malade et tout, et globalement, c'est pour elle qu'on fait ça. Enfin, notamment pour elle qu'on fait ça. Un livre médiocre uniquement destiné aux amateurs de sujets. Ok, bon, on s'en fout. N'hésitez pas à mettre pause, du coup. Bon, bah, Mia... Mia... I didn't know. Et on le savait pas en plus. Mais non. What the fuck? Eh hey, les gars, ce qui se passe est incroyable. C'est encore plus dramatique que tout, quoi. Ok. Est-ce que je peux lui parler à Mia là? Ouais, je peux lui parler. Voilà, pourquoi tu... Ok, donc Mia a donc été bel et bien malade, on ne le savait pas, et c'est pour ça du coup qu'on fait des recherches, mais on le savait même pas en fait. I drank another dose of ayahuasca, and why didn't you tell me you were sick? Jake. Is that why we were here? Yabawaka have a remedy, and we were going to get it for you? If only it was that simple. I would have told you. Already. Then why don't you just do it?
afraid you won't get back to me, and all I want is for you to be safe. Whatever it is, Mia, please tell me. Please, Jake, just keep going. If you can't make it, neither can I. Let's just not bring this up again until you're safe, okay? I don't understand any of it, but I know I have to find you. Let's just focus on that, please. Oh là là, les gars, ce qui se passe est incroyable. Je retire tout ce que j'ai dit sur Mia. Hop, je récupère les cendres, même si je pense que je vais jeter ça bientôt. Ah, je suis tout bouleversé, les amis. Hein. Si ça vous dérange pas, on va bientôt s'en arrêter là pour cet épisode. On va aller sauvegarder, on va faire un point. On va regarder notre carnet de notes aussi, parce qu'on a dû écrire beaucoup de choses, donc j'aimerais bien qu'on regarde tout ça. Oh, c'est chamboulant! Oh, c'est chamboulant de ouf! Ah bah ouais, c'est clair, Mia, elle me cache des choses, bah évidemment. Putain, elle voulait juste pas me le dire parce que bah c'est compliqué. Et que voilà, maintenant elle est... Enfin voilà, c'est compliqué parce que d'un côté c'est presque égoïste, tu vois. Parce que du coup si on est là, c'est pour lui trouver un remède, mais je le savais même pas que c'était pour elle, tu vois. Attendez, ça c'est du bananier, on va en profiter pour faire une armure en feuilles du coup. Comme vous me l'avez demandé, je vous avais promis qu'on le ferait, donc on va le faire. Ah, c'est chamboulant! Ah, c'est chamboulant de ouf! Est-ce qu'il y a des cordes pas loin? Là. Enfin, des lianes, pardon. Oh, c'est chamboulant. Oh, et je vous jure, j'ai le cœur retourné, putain. Là, j'ai juste envie d'écrire à ma copine, tu vois. Faire une petite pause, quoi. Bon, hop. On va faire ça. Oh là là, c'est chamboulant. Pas moi qui est. Ah, bon, bah, j'espère que cet épisode vous plaît. Hein. Armure en feuille, c'est bon, ça. Alors, je l'ai posé par terre, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Fabriquer. Ah, c'est chamboulant de ouf. Hop, voilà, deux armures en feuilles. Comment on fait pour se l'équiper du coup? Prendre. Pas de place dans le sac à dos. Bah, les gars, c'est complètement con. Je fais comment pour l'équiper? Mais attendez, il y a un truc qui va pas là. J'ai pas du tout comprendre. J'ai pas du tout comprendre. Ah bah ça je peux garder, c'est bien ça. Qu'est-ce que je peux jeter là? Bah du coup je vais jeter ça. Je peux pas. Ah, ça demande beaucoup de place. Attendez. On va trouver une solution, regardez. Ah non, je peux pas. Ah putain. Bah les arêtes de poisson, j'en ai beaucoup hein. Mais vas-y, le charbon je vais jeter. C'est quoi? Détruire la pile. Vous allez m'insulter mais bon. Là au moins je vais avoir de la place normalement. Si je fais ça bien. Enfin. Oh, c'est pourri votre armure, sérieux, on peut rien en faire. Eh vas-y le charbon, c'est bon. Allez, tant pis. C'est pour vous que je le fais, hein. Du coup, attendez. Voilà, il faut que je décale tout. C'est chiant. C'est sérieux, j'ai pas de place. Ok, bon, vas-y, je vais jeter ça, tant pis. Allez, voilà. Même là, j'ai pas de place. Ah si, ça y est. Carnet, nouvelle entrée, armure en feuille. Eh bah alors. Armure en feuille, feuille de bananier, corde. Bah ouais. Et maintenant je me l'équipe comment mon ami? Détruire. Mais comment je me l'équipe les gars? Il y a un truc que je comprends pas là. Mais c'est une blague. Comment on l'équipe? Eh, ça va me rendre chèvre hein, les gars. Eh, faut que vous me le dites en commentaire parce que je vous jure là je vais... Hop, je jette et je reprends le... Voilà, tant pis. Ça restera là les amis. On retient. Et vous me dites en commentaire comment ça marche parce que ça va vraiment me rendre fou là. Bon les amis, direction notre campement. Ce qui est bien c'est que du coup... Ça m'a tout régène, à chaque fois que tu prends de l'ayahuasca ça te régène tout. Donc j'avais bien fait du coup de pas avoir mangé de la viande. J'en étais sûr en plus au fond de moi que ça allait tout me régène. Que je m'en étais rappelé de la dernière fois. On sauvegarde et on fait un point les amis. Maximum de pouces bleus pour cet épisode si vous a plu. Franchement super intéressant. Très bouleversant. Et voilà, donc regardons notre carnet. Toutes les nouvelles notes qui ont été entrées. Alors déjà au niveau des objectifs, trouver de l'aide évidemment. Explorer la partie brûlée de la carte. Alors regardons ça. Hop, ah bah voilà c'est ici, donc ouais en fait c'est la continuité, hein. C'est le rocher qui s'est ouvert depuis qu'on a bu l'ayahuasca, hein, d'accord. Donc faudra qu'on y aille tout simplement. Et tout ça on n'a jamais exploré, alors est-ce que c'est vraiment important, je sais pas. Moi je veux juste avancer dans l'histoire et vite retrouver Mia, hein. Franchement pour le RP, moi c'est Mia qui m'intéresse. On va pas non plus se faire des bases ou quoi, vous m'avez compris. Alors, maintenant lisons. Donc ça c'est l'ayahuasca qu'on a déjà vu. Le sac à dos, le jeep... Voilà, c'est à partir d'ici. Alors la mine d'or illégale, tiens, regardons un petit peu ce qui avait été dit sur la mine d'or. J'avais entendu parler de ce genre d'endroit, mais je m'y attendais pas à en voir, hein, sans me faire tirer dessus.
Mais il n'y a personne ici, elle est totalement abandonnée, j'ai même trouvé un grappin d'escalade. Il y a un pont à l'ouest, donc ça c'est le pont qu'on avait trouvé également d'ailleurs, il est détruit évidemment. Bien ma veine bordel, je ne peux rien faire d'autre qu'aller à Lambda 2 maintenant, donc du coup c'est ce que j'ai fait. Je rappelle d'ailleurs que le pont, hop, il est juste ici. Et ça nous mène au même endroit que la partie brûlée. Donc c'est pas mal parce qu'on va pouvoir passer par là, donc en fait le pont il sert à rien finalement. En vrai le pont il sert à rien, très bien, c'est bon à savoir. Et je commence à comprendre la map, ça fait plaisir. Lambda 2 est en fait un site sacré des Yabawaka où ils préparent l'ayahuasca. Est-ce que je devrais en reprendre? Je connais la recette, je dois me forcer à me souvenir de ce qui s'est passé. Donc c'est ce qu'on a fait. Et là maintenant, grâce à l'ayahuasca, d'autres souvenirs me reviennent, mais ils ne font aucun sens. J'écrivais un livre, Mia était malade. Ça serait la raison de notre présence ici. Pourquoi est-ce que Mia ne m'a rien dit? J'ai besoin de réponses. Bon, là évidemment, en vrai là je suis plus du tout énervé contre elle, franchement, autant ça me fait chier qu'elle m'ait rien dit, hein, pour le coup, hein, même dans la vraie vie, si ça avait été le cas. Mais autant du coup je comprendrais et j'ai pas spécialement besoin de réponse parce que je comprendrais la situation, d'accord? Bon, bref, voilà. Qu'est-ce qu'on a débloqué là? Champignon inconnu, fleur inconnu, on a débloqué pas mal de choses, hein, très intéressant. Bon bah les amis, c'est ici que cet épisode s'achève, maximum de pouces bleus si vous a plu. N'hésitez pas du coup à me donner des astuces en commentaire pour les armures en feuilles, là je comprends rien. Et puis à me dire ce que vous avez pensé tout simplement de ce retournement de situation finalement. Et donc bah dans le prochain épisode on va partir je pense hein, pour explorer des nouveaux horizons hein, bien évidemment. C'était Mkolo, rendez-vous très vite pour le prochain épisode. Ciao ciao tout le monde.